Salut à tous, j'espère que vous allez bien, tranquille, tranquille, comme un samedi ensoleillé, alhamdoulilah. Quoi de neuf? Ah, rien, à la Batman Fitness, de la vérité, mon petit Kawa. Ma clope. Donc, on va discuter entre la différence entre un dopé et un naturel. Moi, je suis naturel à 100%. On a certains qui sont dopés, qui disent que je suis naturel. Déjà, je vais vous expliquer en détail. Donc, déjà, un dopé, il mange trois fois plus qu'un naturel. En utilisant des stéroïdes anabolisants. Donc, il mange à peu près dans les 600 calories par jour. Donc, qu'un naturel, il en mange quoi? 200 en 250 calories. C'est là que vous allez voir, le gars, il est dopé. Le dopé obtient plus de résultats plus rapidement. Bien sûr, ils prennent plus de résultats plus rapidement avec la piqûre, avec la bouffe, ils mangent le triple. 2 kilos de graisse par semaine, par mois ou tous les 15 jours, c'est normal que quelqu'un de naturel, il a du mal à prendre de la graisse. C'est 12 à 13% de réellement visible chez un modèle fitness. Vous allez le capter tout de suite. Alors, ils prennent beaucoup de graisse. Le dopé semble être plus massif que lorsqu'ils sont en régime. Tout dépend. De toute façon, ils sont très massifs, ils sont gonflés, c'est que de la rétention d'eau. C'est tout de la rétention d'eau, c'est tout de la gonflette. La gonflette musculaire. Donc, il regarde des catalogues, il veut plus gonfler que l'autre, il veut plus gonfler. Voilà, la plupart du temps, c'est de la compète qu'ils font. Les dopés sont des stries sur tout le corps par naturel. Ouais, ils ont toutes des traces, des stries là, puis ça fait pas beau, c'est moche. Vous le voyez partout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Vous avez des trapèzes. T'as l'impression que c'est une roue de secours d'un poids lourd. Ouais, franchement, c'est une roue de secours d'un poids lourd. C'est carrément le diamètre des trapèzes de la pneu de camion. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. De toute façon, vous allez voir les stries, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Les dopés deviennent massifs, approchent d'un show. Pour les naturels, c'est l'inverse. Ouais, pour les naturels comme moi, que je suis à 100% naturel, puis c'est juste pour la prime pour les shows. Et franchement, quand vous voyez des biceps, les épaules dégoulinées, c'est dégueulasse. Après, vous pouvez soulever une charge lourde. Réduire le volume de l'entraînement des dopés peuvent continuer comme d'habitude. Les dopés, c'est normal, ils ont de la patate, ça monte, ils soulèvent tout ce qui bouge, au développé couché, haltère. C'est normal qu'ils ont une patate assez puissante. Ils peuvent faire des séries longues. Donc, qu'un naturel, ben, il fait jusqu'à l'épuisement. Les dopés semblent plus vasculaires que les naturels. Les gars qui tapent la mastéroïde, ils se croient plus forts. Ils sont dans un monde. Ils sont dans un monde complexe. Ils sont pas complexés. C'est qu'ils ont des gros bras, ils se la pètent. Quand ils vont aller au magasin, ils n'arrivent pas à trouver leur taille de t-shirt. Ils sont obligés de prendre des tailles américaines ou des tailles chinoises. Donc ils sont plus volumineux, puis au niveau de la patate, ils ont de la patate qui est naturelle, et il est à 100% naturel comme moi. Donc les dopés respectent pour leur discipline, tandis que les naturels sont ridicules. Apparemment, comme moi, qu'un gars qui prend la mastéroïde, ils insultent les naturels de ridicules, qu'ils n'ont pas de force, qu'ils n'ont rien. Et en fait, ils viennent et ils poussent plus vite, plus lourd que le gars qui piquait, que le naturel, ils poussent comme moi. Moi, je suis naturel.
Je suis naturel, ben, si je suis ridicule, ben, alhamdoulilah, moi je suis fier de l'être, de ridicule. C'est pas un gars qui tape l'astéroïde de merde. Il se croit plus massif, sec, discipline au travail, au charme, facteur de discipline, travail aucun des deux, ne peut pas mener au niveau de naturellement. Moi j'ai un bon niveau au niveau de ma corpulence, de masse naturelle. Il n'y a rien à dire, je suis à 100%. Voilà, je suis moi-même. Alhamdoulilah. Faites laver des résultats, on les chope naturellement. On ne les chope pas avec de la merde à chier, de la mastéroïde. Moi, je suis ridicule, ben, alhamdoulilah. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué avec vous. Donc, sur ce, je vais vous laisser Aïwan à tout biceps. Abonnez-vous, faites le téléphone arabe. Merci pour les 1213 abonnés. Bye bye.